Bonjour à tous, je me présente, je suis Pams Therapy, donc je suis kinésithérapeute. Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite séance pour renforcer vos hanches. Malheureusement, on travaille beaucoup la mobilité de hanches. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à cet effet. Je vais essayer de vous la mettre ici. Vous n'avez qu'à cliquer si vous voudrez la refaire. Mais en tout cas, il faut aussi renforcer les hanches. C'est très très important. Si vous avez des douleurs lombaires, si vous courez régulièrement, ou même si vous avez des douleurs au niveau du genou, ou même de la hanche, bien sûr, il est très très important de faire des exercices pour renforcer. La mobilité, c'est très bien, mais il faut également compléter tout cela en faisant du renforcement. Donc aujourd'hui, je propose une petite vidéo de renforcement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page et à liker la vidéo aussi. C'est gratuit et ça aide énormément pour la visibilité sur YouTube. Allez, on est parti. Donc moi, je vais utiliser un petit élastique. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il n'y a absolument aucun problème. Même la première fois que vous allez faire cette séance, je vous conseille même de le faire sans élastique pour avoir votre ressenti. Et la fois d'après, vous pouvez le faire avec l'élastique pour compliquer et augmenter un petit peu la charge de travail. Ok? Donc je vais utiliser l'élastique que je vais placer tranquillement au niveau au-dessus de mes genoux. Je vais venir me mettre au sol. Je garde le dos bien droit, je rentre bien mes abdos. C'est important aussi de se gainer, hyper hyper important. Donc je vais venir pour commencer, pour travailler ma hanche droite. Je me stabilise sur la hanche gauche. Donc chaque fois, les deux côtés vont travailler. Un côté qui va stabiliser et l'autre côté que je vais renforcer en mouvement. Okay? Donc je stabilise et là je viens, j'écarte sur le côté, je souffle, je rentre le ventre et je viens tout doucement. Allez, c'est parti. Et poussez bien avec votre main en oblique. Si je suis sur appuyé sur le genou gauche, je pousse bien sur ma main droite et j'active ma sangle abdominale. Allez, c'est parti. On en fait 10. 5. Le dos reste bien droit, je stabilise bien. 6. 7. 8. Vous devez sentir les abdos également travailler. 9. Et 10. Allez, je change de côté et je stabilise bien. 1. Donc là, cette fois-ci, j'appuie fortement. J'écrase le sol avec ma main gauche. Je stabilise mon bassin. Je rentre bien mon ventre. Je souffle pendant l'effort. Et j'inspire quand je reviens. Allez, encore 3. 1. 2. Et 3. Et on reprend. Allez, on continue. Allez, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pose et je change de côté. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Je vais changer de corps musculaire pour reposer un petit peu mes bras. Je pose mon élastique. Je me mets sur les coudes. Je tends la jambe. Et là, je viens travailler mon extension de hanche. Je fais attention. Je rentre le ventre, je veux pas qu'on creuse trop le bas du dos et on va juste venir faire des petits mouvements bien dans l'axe. Je maîtrise ma lordose lombaire, je creuse pas trop et je viens sentir le travail dans le fessier. Je renforce en extension ma hanche, mon regard est bien vers le sol. Et allez, on est parti. 7, 8, on en fait 15, 9, 10, jambes bien tendues, 11. 12, 13, 14 et 15. On change de jambe. Je stabilise bien d'un côté et mouvement de l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, je change et on refait une série à nouveau. Allez, bien haut. Je maîtrise mon bas du dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je rechange, on passe à 10. Allez, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Soufflez bien, rentrez le ventre. 9 et 10. Et maintenant, dos droit. Donc, ça va me demander encore plus de contrôle. Je fléchis et je pousse vers l'arrière. Quand je pousse vers l'arrière, je souffle et je rentre le ventre. 2. J'inspire, je reviens. 3. 4. 5. Jambes bien tendues. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je change de côté. Il y a vraiment un travail aussi de renforcement au niveau des abdos et des épaules aussi. Vous devez le sentir. On stabilise, on se gaine. Il y a du gainage là. On maîtrise bien, on souffle bien. Allez, 5. 6. 7, 8, la respiration est très importante, 9 et 10. Et là maintenant, on change de jambe et petit mouvement comme on avait fait précédemment. On maîtrise bien le bassin. Et allez, c'est parti, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Jambes tendues. Et petit mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on fait pareil, mais avec de la flexion de genou. Je fléchis mon genou et je lève bien. Allez, 2, 3, rentrez bien le ventre. 4, 5, je souffle quand je lève toujours. 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3. Le genou est bien fléchi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Allez, je souffle un petit peu. Vous pouvez boire un coup pour mettre sur pause. Si vous en avez envie, moi je remets mon élastique, je viens me fléchir, donc je plie mes genoux, mon pied l'un contre l'autre, et là je viens tout en gardant mon pied sur l'autre pied, je décolle et je tiens. 1, 2, 3, et je relâche. Je force vraiment le plus loin possible sur le côté, et c'est parti. 1, 2, 3, et je relâche, ça fait 2. Allez encore. 1, 2, 3, ça fait 3, encore, 1, 2, 3, ça fait 4, on peut très bien le faire sans l'élastique, hein. 1, 2, 3, ça fait 5, 1, 2, 3, ça fait 6, encore, 1, 2, 3, ça fait 7, 1, 2, 3, travail très important d'ouverture de hanche, 1, 2, 3, et le dernier, 1, 2, 3, et ça fait 10. Allez, on change de côté, on vient bien s'allonger, genoux bien fléchis, et c'est reparti. 1, 2, 3, ça fait 1, et on enchaîne. 1, 2, 3, ça fait 2, on va chaque fois chercher le plus loin possible. 1, 2, 3, ça fait 3, encore. 1, 2, 3, ça fait 4. 1, 2, 3, ça fait 5. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, ça fait 6. Encore. 1, 2, 3, ça fait 7. 1, 2, 3, ça fait 8. Allez, plus que 2. 1, 2, 3, ça fait 9. Et le dernier, 1, 2, 3, et ça fait 10. On s'allonge, on tend les jambes cette fois-ci. Moi, je vais mettre mon élastique au niveau de mes chevilles. Et là, je tends la jambe et je tiens. 1, 2, 3, et je redescends. Encore. 1, 2, 3, je redescends. Je stabilise bien mon bassin. Je ne veux pas que le bas du dos bouge. On se gaine. Allez, 1, 2, 3, ça fait 4. Si vous n'avez pas d'élastique, on tient au sommet du mouvement. 1, 2, 3, ça fait 5. 1, 2,
3, ça fait 6. Encore. 1, 2, 3, ça fait 7. 1, 2, 3, ça fait 8. Encore. 1, 2, 3, ça fait 9. Et le dernier. 1, 2, 3, et ça fait 10. Allez, on change de côté. On souffle bien. On respire bien. Et c'est parti. 1, 2, 3, ça fait 1. Encore. 1, 2, 3, ça fait 2. 1, 2, 3, ça fait 3. Ça commence à chauffer en principe. Vous devez le sentir. 1, 2, 3, ça fait 4. Prenez des pauses si vous avez besoin. Il n'y a aucun souci. 1, 2, 3, ça fait 5. 1, 2, 3, ça fait 6. Vous devez bien sentir ici. 1, 2, 3, ça fait 7. 1, 2, 3, ça fait 8. 1, 2, 3, ça fait 9. Et le dernier, 1, 2, 3, et ça fait 10. Allez, on relâche, on souffle. Et là, maintenant, on va venir se mettre en position gainage sur les genoux. Je viens. Et là, donc, mon genou est aligné avec mon poignet, mes fesses avec mon coude. Et là, tout doucement, je lève et je redescends. Je lève et je redescends. On en fait 10. 1, 2, levez bien le fessier. 3, 4, on travaille également les abdos. On travaille la hanche. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On souffle, on change de côté et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça vous permet aussi de voir quel côté est le plus faible, quel côté au contraire est le plus fort. 8, 9 et 10. Et allez, on finit. On vient se mettre ici. Et là, on va tenir sur une jambe et on tend l'autre jambe. Je stabilise ici, avec l'autre, je garde l'équilibre et je tiens. Allez, je souffle bien. Je lève bien la fesse. Je ne veux pas qu'on soit trop bas, je veux vraiment au contraire qu'on lève. Si c'est dur ici, vous posez la jambe, il n'y a aucun problème. Tête bien droite. Allez, encore un petit peu, on tient, on accroche. On repose. Et on change de côté pour finir tranquillement. Allez, je tends. Et c'est parti. Tête bien droite. Ne pas incliner trop la tête vers le bas. On est vraiment bien gainé. On rentre bien les abdos. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on vient se mettre au sol. On met les mêmes derrière et on finit juste. On mobilise un petit peu les hanches qu'on vient de solliciter en actif. Donc voilà, séance très complète sur la hanche. À renouveler régulièrement pour avoir une amélioration et à combiner avec de la mobilité. En principe, si je suis assez bon technologiquement parlant, je vous mets le lien de la vidéo derrière. Vous pouvez même enchaîner cette petite vidéo avec de la mobilité de hanche. Ça peut être très très intéressant. Après, ces séances-là sont courtes. Si vous voulez tester carrément mes programmes hanches et aussi mes programmes sur tout le corps, grâce à cette vidéo, vous avez une offre découverte de ma plateforme à seulement 4 euros le mois sans engagement. Donc, vous pouvez arrêter au bout de un mois sans problème et vous avez accès à toutes mes vidéos et à un suivi personnalisé pour répondre à vos questions sur Instagram, sur ma page PAMS Thérapie. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un commentaire et je vous donnerai le code promotionnel et je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Au moins vous avez des séances dans ce programme hanche de renforcement, de mobilité et d'étirement, des séances qui sont entre 30 et 35 minutes et vous avez une vingtaine de séances. Et pareil pour les lombaires, le renforcement du membre inférieur, les cervicales, etc. Avec cette plateforme, vous avez accès à tous les programmes. Voilà, donc j'espère
que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour liker la vidéo, c'est gratuit et ça aide énormément la page à avoir en visibilité. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. À très très vite pour de nouvelles vidéos et donnez-moi votre ressenti en commentaire. C'est intéressant pour me dire si c'est trop dur, pas assez dur, de façon à ce que je fasse de nouvelles vidéos qui soient peut-être plus difficiles si vous dites que c'était trop facile ou inversement. Merci à tous et à bientôt.